We have now with us Aimé, c'est César, ça? Aimé César. Aimé César, qui est français, j'assume? Non, du Cameroun. Ah, du Cameroun, mais tu parles très bien français. Oh, merci. Okay. Et qui est ici donc pour faire son MBA? C'est plutôt master, une maîtrise en art. Ah, d'accord. Art et sciences. Est-ce que tu es études artiste? internationales. Non, c'est juste de l'appellation du diplôme. Ah, d'accord. Et donc, si tu n'es pas artiste, qu'est-ce que tu étudies exactement? C'est une maîtrise en études internationales. D'accord. Le programme, il est assez rigoureux. Oui. C'est un mélange de relations internationales, Oui. De sociologie, d'anthropologie, d'économie politique. Donc, c'est vraiment un programme assez élargi à toutes les sciences sociales. D'accord. Et ce sera l'objet de ton major, de ton diplôme? Exactement. Je vais préparer une thèse à la fin du programme, supposément en novembre, et je devrais présenter la thèse et la défendre. D'accord. Et cette thèse sera, tu as choisi le sujet? Choisi le sujet. Le sujet, c'est sur l'accès et la consommation des produits de luxe et la manière dont certaines personnes utilisent la visibilité que leur accorde la consommation des produits de luxe pour acquérir une certaine forme de pouvoir. Ah, d'accord. Donc tu veux dire que d'avoir le produit de luxe te donne un pouvoir. Yes. D'accord. C'est plutôt une étude psychologique. C'est le genre entre. C'est à l'intersection entre psychologie, sociologie, je vais dire anthropologie, parce que c'est le truc, le nœud de ce concept, c'est culture et pouvoir. Parce que déjà, le pouvoir est au cœur de toute relation sociale. Et qu'on soit riche ou pauvre, on a ce besoin de se différencier à l'autre. Et dans cette lutte sociale d'être distinct de l'autre, Oui. on affirme un certain pouvoir. Et pour certaines personnes, il est important d'avoir des articles de luxe pour comme ça se différencier des autres et affirmer un certain pouvoir. D'accord, ouais, C'est une ça a l'air conception. plutôt logique, oui. C'est une conception du pouvoir qui est assez. Comment je vais dire ça? Elle est assez large. C'est une conception qui essaye de conceptualiser le pouvoir en termes de relations sociales. Genre le pouvoir dans une perspective très individuelle. D'accord, non, oui, justement. Oui, j'ai lu là dans, je sais pas dans quel magazine, ils étaient en train de mettre des peintures sur les écharpes Hermès pour que ce soit des écharpes uniques. Donc ça, c'est ce genre de produit qui va te distinguer de tout le monde parce que personne ne pourra les acheter que toi. Exactement. Et donc, tu seras la seule à mettre ça. Et puis je suis content que vous ayez mentionné cet exemple parce que ça parle aussi de la valeur qu'on accorde aux choses dans la société. Parce que un diamant, à la fin, il ne reste, ce n'est qu'un caillou. Oui, Et mais il a de la valeur. yeah, mais donc mais c'est de la valeur sociale. C'est pas la valeur n'est pas immanente. La valeur n'est pas Ah dans le oui, non, produit non, la en valeur, lui-même. elle est sur le prix. Exactement. Non, non, mais il y a des gens qui s'en fichent du diamant. Mais il y en Yeah, a qui mais attachent de la valeur à un diamant. ils sont très peu. Le fait que on dépense des sommes, il y en a assez Élevé. élevé pour Pour un vrai acquérir diamant. pour un diamant montre la valeur sociale qu'on accorde à un caillou. Oui, parce qu'il est beaucoup plus rare qu'un bout de verre. Oui. C'est vrai, mais Disons qu'on accorde de la valeur à ce qui est rare. c'est vrai, mais pas tout le temps. Parce que les vêtements ne sont pas aussi rares que ça, mais il y a des vêtements qui coûtent assez cher, des marques de vêtements qui coûtent assez cher. C'est juste, je crois que
pour revenir à ce que je disais tantôt, c'est plus un besoin de se différencier des autres, Ah oui, c'est un ça. besoin d'affirmer un pouvoir, un besoin de dire, ok, je suis meilleur que le Que reste. toi. Ouais, peut-être, peut-être. Oui. C'est pas meilleur, mais j'ai meilleur goût que toi, peut-être. Parce Je suis que pas meilleure personne, mais j'ai peut-être meilleur goût que toi. et ça c'est et là tu viens juste de mettre le doigt dans le nœud du problème. Le problème c'est que même le goût, ce qu'on appelle goût, Ne peut pas se. c'est une création sociale. Je pense pas que qu'on naisse avec certains goûts, c'est la société qui nous Qui nous forme un peu. c'est la société qui nous impose ce qu'on doit aimer ou pas. Quand je dis la société, je dis très tôt, ça commence avec la famille, les parents qui nous disent, Ça c'est bien, ça c'est pas bien. et puis après c'est l'école d'habitude, et puis après c'est les médias, la télé, la radio, les amis qui nous influencent. Oui. Donc toute ton étude est là-dessus? En fait, je suis plus intéressé sur les théories d'inégalité et de différence. Je regarde la manière dont les identités sont socialement construites. Par exemple, je vais te donner un exemple sur le sexe. Le sexe, il est biologique. Non, c'est sûr que. Mais le concept de masculin et de féminin, c'est une construction sociale. C'est la société qui impose certains ce que être masculin Et fou féminin. oui, Oui. veut dire. Mais il y a quand même. Là-dessus, il y a quand même quelques tendances. Il y a quelques tendances qui sont imposées par le physique et qui sont donc acquises. Donc, on a un physique différent et donc on porte des choses différentes d'après notre physique. Oh, c'est vrai, mais je parle plus dans le sens social, du sexe, Ah oui. pas le sens biologique. Ah oui, Pour le d'accord. sens biologique, c'est clair que Il y a une il y a une différence. grande différence. Mais dans le sens social, par exemple, quand vous regardez la condition féminine dans le monde, pourquoi dans certains pays, certaines femmes, uniquement parce qu'elles sont femmes, ne peuvent pas avoir accès à certains services ou à certaines opportunités uniquement parce qu'elles sont femmes. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas par rapport à la biologie, mais c'est par rapport à la construction sociale de ce. Au conditionnement de la société. Ils disent, toi, Exactement. tu ferais bien d'entrer chez toi avec tes gosses, oui, c'est ça. Exactement. Et en fait, c'est pas mauvais comme idée. C'est laquelle? Chacun son rôle. La femme doit être vraiment meilleure à la maison que dans un bureau. Oh non, on va pas en discuter. Je crois que Non, c'est mais pas. peut-être qu'ils ont raison, même si on n'est pas d'accord. Non, non, c'est clair. Je veux pas faire une critique de ces cultures ou de ces sociétés, mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est Des idées imposées. plutôt les idées imposées. Et c'est ce OK. que je veux dire. Et puisque on parle de pouvoir, n'est-ce pas? On sait tous que le pouvoir, il est diffus. Tout le monde a un pouvoir en lui. Et c'est la somme de ce pouvoir qu'on essaye de personnifier, qu'on essaye de personnifier dans l'État ou bien dans les autorités, que ce soit les autorités familiales, les autorités traditionnelles ou bien les autorités étatiques. Mais le pouvoir est en nous. Mon souci, c'est de voir comment pouvoir transformer les gens, comment ils peuvent utiliser leur pouvoir, le pouvoir qu'ils ont pour vivre une vie meilleure. D'accord. Et est-ce que par exemple, on va prendre un exemple, hein. Est-ce que par exemple tu veux te faire un MBA parce que tu veux du pouvoir? Le pouvoir est toujours au cœur de toute relation sociale. Donc, c'est vrai, je veux du pouvoir. Mais la question est de savoir à quel but, à quelle fin. Oui. Je veux un pouvoir transformatif, un pouvoir qui va d'abord me transformer moi-même et qui va pouvoir transformer les autres. Je veux pas un pouvoir absolu qui va comme ça Impose sa main. nier les droits et l'humanité des autres. D'accord. Dans quel but est-ce que tu fais donc
cette maîtrise. Cette maîtrise, tu as quand même une idée ou pas encore? J'ai plusieurs idées. Je veux sûrement, je suis intéressé depuis que je suis tout petit, je suis intéressé à, comme je t'ai dit, à pouvoir transformer la vie des autres. Donc, je pense pouvoir continuer peut-être pour un doctorat et pouvoir enseigner, pouvoir communiquer toute la connaissance et le, que j'aurais acquis. D'accord, donc cette connaissance serait des valeurs de pouvoir, etc. Ça va tourner tout autour du pouvoir parce que, comme je le disais tantôt, toute relation sociale est une relation de pouvoir. Que ce soit entre parents et enfants, que ce soit entre amis, il y a toujours une relation de pouvoir, il y a toujours une tension. Et les amitiés ne marchent que, les amitiés ou toute relation ne marchent que lorsque un équilibre s'établit entre cette Ah, tension. Mais d'accord. juste, c'est toujours une relation de pouvoir, tout le temps. D'accord. Mais les amis en général, ils veulent être au même niveau. Il faut avoir ce désir. Tout le monde a souvent le désir De se mettre au niveau de de se mettre l'autre. au niveau de l'autre. Mais parce que on ne peut pas avoir cette conscience tout le temps, c'est pourquoi des fois, il y a des incidents qui arrivent. Oui, d'accord. Donc, tu l'as depuis combien de temps? À San Francisco, 10 mois déjà. Dis-moi, et est-ce que donc tu as des impressions différentes de ce que tu as eu dans d'autres parties du monde? Quand je suis Est-ce que venu, les gens sont plus égaux ici, sans pas autant de désir de pouvoir? quand je suis arrivé, j'étais un peu, j'étais marqué par la ville, Oui. une ville très attrayante, Oui. très belle, ça il faut le dire. Oui. Mais le plus de temps que j'ai passé à explorer la ville, à causer aux gens, à essayer de voir les forces derrière. Le processus social ici à San Francisco, je me suis rendu compte que il y a un manque de connexité entre les gens. Je crois que c'est la ville devient un peu plus touristique Oui. et j'en parlais dernièrement avec des amis. C'est clair que L'industrie numéro un, le tourisme. et la ville perd un peu de son âme. Parce qu'elle accueille trop de monde. À laquelle trop de monde, je crois qu'il n'y a pas assez de population native de San Francisco. Il n'y en a pas du tout. Personne ici n'est né à San Francisco. Oh wow, ça c'est une Donc, révélation, je non, croyais. enfin, presque, Il n'y a il presque y a personne. presque personne. Nous sommes tous d'autre part. Exactement. Et c'est pour ça que je dis que la ville perd un peu de son âme. Il y a cette impression On essaie d'accepter tout le monde, en fait. On sait que tu es d'autre part, donc toi, tu dois faire un effort pour m'accepter et moi, je dois faire un effort pour t'accepter. C'est constamment comme ça. Mais je vais donner un exemple un peu plus précis. Oui. Par exemple, je me rends compte que la plupart des gens que je connais décident de trouver une habitation avec un loyer un peu plus modéré Oui. de l'autre côté de la baie. Et c'est le fait que San Francisco perd de sa population, que je suis sûr d'une population avec du talent, des gens qui sûrement. Qui cherchent des loyers plus bas. Et je crois que c'est une perte pour la ville. Ah oui. Donc, oui, c'est vrai que, en fait, San Francisco est une population de 60% de gens célibataires. Et dès que les gens ont des enfants, ils vont dans les banlieues comme Burlingame, où les loyers sont beaucoup moins chers pour pouvoir faire élever une grande famille ou une petite moyenne famille. Donc, comme les loyers sont moins chers, ils s'en vont de San Francisco pour élever une famille. Mais tant qu'ils sont célibataires, ils restent ici. Je crois que l'administration municipale devrait s'y attarder, peut-être donner l'opportunité ou Aux l'option familles de aux rester. familles de rester. Ça, oui, ça c'est politique, je crois. C'est les gens qui ont des propriétés qui veulent toujours que la propriété Monte. monte et faire des profits. Donc, surtout les corporations doivent toujours faire plus de profits
Et donc, il y a beaucoup de buildings font partie d'une corporation et ils font monter les loyers. Et ça parle de ce que je disais tantôt, parce que aussi, non seulement on donne de la valeur à certaines choses, mais on marchandise tout. On marchandise même la vie, on marchandise tous les processus de vie. Et le fait qu'on accorde une valeur marchande à des choses aussi simples que trouver une habitation pour pouvoir élever une famille, et que cette marchandisation parfois atteint Te force à déménager. Des niveaux tellement exponentiels et qui peuvent, non seulement les implications dans le sens de briser les familles, briser les couples. Séparer les mères ou les cousins. Exactement. Donc cette marchandisation, c'est un problème. Oui, c'est un problème, mais les solutions ne sont pas là encore. C'est-à-dire, oui, enfin, tu te penches aussi sur ça? C'est d'une manière ou d'une autre, il y a certaines ramifications avec ce que je fais, mais bon. Moi, je sais pas ce qu'il y a de très très particulier aux États-Unis, c'est que dès que quelqu'un va à l'université, il change de ville. Et souvent, il reste dans cette ville et tout d'un coup, il revoit pas sa famille. Donc, souvent, l'étudiant va à New York pour étudier et puis il revient pas dans la ville d'origine qui pourrait être le Nebraska ou au centre des États-Unis. Donc, dès qu'on a 18 ans, souvent l'enfant quitte sa ville natale. Je crois que c'est lié au système dans lequel on vit. Je crois que le capitalisme en tant que système politique et économique a comme ça redéfini le sens de la famille. La famille n'a plus ce C'est sens. stabilité. Ouais. C'est-à-dire, tout le monde ne reste pas ensemble, c'est fini ça. Ouais, Et je vous l'ai dit, il n'a même plus ce sens biologique et social qu'il avait traditionnellement. ouais. Parce que la famille, comme ça, maintenant, se constitue autour des intérêts économiques. Voilà, c'est ça. Toi aussi, par exemple, tu es venu ici. Tu es un exemple parfait de ça. Exactement. Mais il est important de déjà de le reconnaître, d'en Oui. discuter et sûrement d'essayer d'ébaucher des solutions. Oui, et est-ce que toi tu retournerais à ta maison d'origine? Oh, définitivement, c'est même pas une question. C'est même pas une question? Tu habitais où avant? Avant, j'habitais à Washington, D.C., mais je te l'ai dit tantôt, Tu étais du Cameroun, je mais suis tu du Cameroun. retournerais là-bas? Oh, définitivement. Ah oui? Pour quelle raison? Parce que je suis attaché à ma terre. Ah oui? Ça a un sens pour moi. Après ton diplôme, tu voudrais retourner là-bas. Je suis pas assez fixé là-dessus. Parce que je dis, Ici, il y a une opportunité ici, tu restes ici? Je suis pas encore fixé. J'ai Oui. plein de choses encore à faire ici. Oui. Mais de manière définitive, je puis te dire que je retourne au Cameroun. En visite. Non, peut-être dans un futur. Un futur plus ou moins proche, je sais que j'y retournerai définitivement. Ah oui, d'accord. Donc tu aimes beaucoup ton pays. Je suis attaché à ma terre et à mon peuple. D'accord. Donc qu'est-ce que tu pourrais donc nous dire de ton pays? Parce que c'est très rare que j'invite quelqu'un de ton pays. Autant en profiter que tu es là. Parle-nous un petit peu de ce pays que tu voudrais revoir. C'est un pays niché comme ça en Afrique centrale, Ok. entre six autres pays, entre le Nigeria, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Tchad D'accord. et la République centrafricaine. D'accord. Mais qu'est-ce qui est extraordinaire à propos du Cameroun? La première chose qu'on remarque souvent au Cameroun, c'est la diversité culturelle. La diversité non seulement culturelle, mais la diversité aussi, comment je vais l'appeler, la diversité de paysages, de peuples. Et c'est pourquoi on appelle le Cameroun d'habitude l'Afrique en miniature. Parce que comme ça, le Cameroun rassemble tous les différents paysages, les différents climats, les différents peuples de toute l'Afrique. D'accord. Donc, au Cameroun, il y a une diversité de d'autres pays aussi. C'est un peu comme San Francisco. Exactement. C'est vrai? Il y a Bon, les gens vont là-bas pour quelles raisons? plusieurs raisons.
peut-être du tourisme, faire du safari. Oui. Des gens vont pour surtout, you know, juste parce qu'ils sont intéressés par l'Afrique et je crois que c'est une bonne destination. Et il reste, il décide de rester? Des fois, mais la majorité retourne dans leur Ok, pays d'origine. d'accord. Donc, quand tu dis qu'il y a de la diversité, ce sont des gens qui viennent temporairement? Oh non, je crois que tu m'as pas bien compris. Je parlais des Camerounais qui sont natifs du Cameroun. Ah, natif, ok. Je croyais que tu parlais des touristes. Les Camerounais natifs du Cameroun, ils sont installés au Cameroun. C'est pas comme s'ils venaient juste au Cameroun visiter et puis ils retournaient dans un endroit où. Mais d'où est la diversité La alors? diversité, c'est le fait qu'il y a à peu près 300 ethnies. Ah oui. Ah, c'est. Contrairement à d'autres pays en Afrique où tu rencontres deux ou trois ethnies dans un pays, il y Ah a ouais. 300 ethnies. Donc, imagine ce que ça fait d'avoir un pays avec 300 ethnies, 300 langues. Ah oui. Et c'est cette diversité que je parlais. Et vous êtes 300, c'est immense, c'est beaucoup. Et vous parlez tous des langues différentes, tout ça? Exactement. Oh là là, et tu te débrouilles dans quelques-unes? Tu comprends quelques-unes? Les langues de mes parents. Ah, d'accord. Et tout le monde communique avec une langue commune comme l'anglais? Parce que dû à la colonisation, tout le monde parle français et anglais. Ah, le français, d'accord. Français et l'anglais. Donc, vous êtes tous bilingues et même trilingues. Non, nous ne sommes pas bilingues en fait. I mean, officiellement, on parle deux langues, mais d'habitude, tout le monde ne va pas être bilingue parce que c'est pas. Lorsque le Cameroun a été colonisé, je vais le dire, c'était vraiment pas une colonisation parce que le Cameroun était placé sous mandat des Nations Unies. Deux provinces ont été accordées à la Grande-Bretagne et huit autres provinces ont été accordées à la France. Donc, les deux ont fonctionné pendant un bon bout dans une sorte de fédération Ah oui. avant de décider d'avoir un État uni, un État totalement Qui unitaire, s'appelle le le Cameroun. Cameroun. Et y a, donc il y en a qui parlent l'anglais, il y en Il a y qui en a parlent qui le parlent français. français. Ah d'accord. Et vous vous accordez quand même. Oh, définitivement. Oui? On a ce désir de vivre ensemble et on sait tous qu'on est en même peuple. Donc quand tu es venu ici, tu connaissais l'anglais et le français? Je crois que non. Mon français, c'est sûr que mon français, il a Et toujours toi, tu es du été. côté français alors? Je suis Tu étais du francophone. côté français? Mon anglais, non, il n'était pas aussi bon que ça. D'accord, il est Non. beaucoup mieux maintenant. Oh, définitivement. Ok. Et donc, il y a écrit sur ta carte, Change the world from here. Ça, c'est l'université qui dit ça ou c'est toi? Oh non, ça c'est le logo de l'université. Ah, c'est le logo, ok, parce que c'est une université Jésuite. qui forme des gens qui viennent de plusieurs pays du monde, c'est Oui, ça? C'est une université vraiment ouverte au monde. C'est une université jésuite. Et la diversité, on parlait de diversité tout à l'heure. Quand tu vas dans notre campus, tu trouves cette diversité. Des gens venus De partout. de partout. Mon programme, je crois qu'on est à peu près 40 personnes. Et Oui. puis de peut-être d'une douzaine de pays différents. Ah oui, ça doit être très Oh, intéressant. super intéressant. Ah oui, et tu devrais faire un show et tu les interviews tous. Ça serait génial, ça. Ouais, ce Mais serait bien. puisque c'est ton boulot, moi, je vais te laisser Tu me l'honneur de les le faire. envoies? Tu me les envoies, d'accord. D'accord, bah, ça devrait être très très intéressant tout ça. Et donc, vous êtes là pour essayer de changer le monde, c'est ça? parce que l'université de San Francisco est vraiment s'investit vraiment dans la justice sociale. Ah, d'accord. Faut défendre les droits de l'homme, les droits des immigrés, les droits des populations vulnérables, des populations à risque, des populations minoritaires. D'accord. Donc, je crois que la devise changer le monde, c'est juste aussi changer les attitudes des gens, être un peu plus respectueux des minorités, des personnes à risque, des personnes vulnérables. D'accord. Et donc, c'est un peu aussi ton but, n'est-ce pas? Oh, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé d'appliquer De venir à ce programme. et d'entrer Et dans ce programme. c'est la France qui t'envoie ici. Enfin, c'est le Cameroun qui t'envoie ici. Non, non, c'est une décision personnelle. Ça Ah, n'a rien à voir avec. c'est une décision privée. Donc, tu es ici en tant qu'étudiant en privé. Donc, tu travaillais alors avant. Je travaille avant.
D'accord. J'ai bossé pendant 4 ans à DC, Oui. surtout dans le real estate, Ah, d'accord. D'accord. dans l'immobilier. Et donc, ça, tu as fait assez d'argent pour faire ça. C'est l'argent pour tout, n'est-ce pas? Malheureusement. Et ça revient à ce que je parle de ce que je disais tantôt, la marchandisation De l'éducation, de de tout. tout. Oui. Donc, une fois que tu auras fini ce programme, tu auras le pouvoir de faire quoi? Ce que je veux faire, je crois que ce programme déjà il me permet de me positionner sur le marché de l'emploi. Oui. J'ai Quel l'expérience, genre d'emploi? j'ai une expérience avec les organisations non gouvernementales. Ah oui? Et travailler avec les organisations Tu pourrais être comme Nations Unies, des trucs comme ça? exactement. Ah, d'accord. Et tu pourras donner des conseils d'après ce que tu observes dans plusieurs parties du monde ou d'après ce que tu as appris sur plusieurs parties du monde, c'est ça? Exactement. Et quel sera ton... Tu vas te concentrer sur quoi? C'est-à-dire, tu vas essayer de te concentrer sur les droits de l'homme en général ou... Je crois que je suis plus intéressé au pouvoir. Je sais que c'est vague ce que je dis, mais je veux pouvoir comme ça défier les idées préconçues qu'on a sur le monde. Je crois que la manière dont les choses sont établies, il y a certaines identités qui sont créées et certaines personnes, à cause de la création sociale de ces entités, n'ont pas la possibilité de développer leur potentiel. Parce qu'on ne leur donne pas ce pouvoir. Non. Ils ont ce pouvoir, mais on dénie ce pouvoir. On ne leur donne pas parce qu'on dit d'après nos critères, tu ne rentres pas là-dedans. Exactement. Ben, c'est difficile de changer le système. Je sais, mais c'est pas une raison d'abandonner. Oui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui commencent leur propre compagnie, parce que personne ne reconnaît leur pouvoir. Donc ils Exactement. disent, je vais le créer moi-même. Exactement. Donc c'est ça la beauté des États-Unis aussi, c'est que dès que tu vois que tu as le pouvoir de faire quelque chose, tu n'as pas besoin de compter sur Pierre et Paul, tu le fais toi-même. Exactement. Et le truc, c'est quoi? Le truc, c'est plus lié au pouvoir financier, parce que tout tourne autour de l'argent. Le système capitaliste dans lequel on vit, l'argent, c'est le déterminant de tout. Et pour moi, c'est quelque chose de très infortuné, très malheureux. Et je pense que je veux pouvoir célébrer autre chose que le culte de l'argent. Je crois qu'il y a plus. Enfin, aux États-Unis, pas nécessairement, parce que des fois on voit l'opposé qui se passe, c'est-à-dire les gens qui ont beaucoup d'argent, qui veulent s'habiller très très mal pour vraiment être comme tout le monde. Donc c'est pas nécessairement la mentalité américaine. Bon, je le disais dans le sens de la marchandisation de tout, parce que il y a des gens qui ont vraiment du talent ici aux États-Unis, mais qui n'ont pas la possibilité d'aller, par exemple, au collège, parce que ça coûte extrêmement cher. Oui. Et je crois que la société en perd, parce que si quelqu'un a ce talent et il n'a pas la chance de pouvoir développer ce talent, je crois que c'est pas une perte individuelle, c'est une perte collective, parce que la société en perd l'opportunité Ah oui, de parce pouvoir développer cette qu'il personne qui pourra participer de manière d'une manière bénéfique, différente que de les manière autres. bénéfique. Oui. Ça, il faudrait changer le système d'éducation dans ce cas-là. Parce que l'éducation dit, voilà, tu passes par certains tests, tu passes pas ces tests, donc tu dois appartenir à quelque chose qu'on ne comprend pas, donc on te met de côté. Des fois, c'est même pas un problème de test. Je crois qu'il y a des gens assez intelligents ici qui peuvent passer ces tests, mais il faut s'y regarder parce que c'est un problème structurel. Déjà, si la personne a des problèmes pour se nourrir, pour se Ouais, il peut vêtir, pas avancer pour plus tôt. pouvoir se loger, il y a de fortes chances qu'il ne va pas pouvoir arriver au niveau où il aura besoin de prendre un test, parce que déjà, de manière structurelle, Ça va pas se ça passer. ne va pas se passer.
Oui, ça se passe par contre dans les pays comme la France, où tout est socialiste, tout le monde a tout. La France n'est pas vraiment un pays socialiste. C'est vrai que selon... L'éducation est gratuite, pour aller à l'école, on te donne tout, les crayons, les stylos, les livres, c'est plutôt socialiste. Donc si vraiment tu échoues dans des conditions pareilles, c'est que c'est ta faute. Je crois que... Je vais pas parler de la France, mais je crois que il y a toujours... Il y a des conditions pour... empêcher que certaines personnes arrivent à certaines positions en France. Et ces tests dont tu parlais tantôt, c'est plutôt du genre... 1 plus 1 égale 2. Non, non, c'est pas aussi simple que ça. Ces tests sont politisés. Et c'est à travers ces tests qu'on décide qui entre ou qui n'entre pas. Ah oui, ça c'est tout à fait injuste. Parce que quelqu'un peut avoir beaucoup de talent et la personne est éliminée basée sur des tests qui n'ont aucune preuve d'être vrais ou valides. Et puis, c'est difficile vraiment de juger l'intelligence de quelqu'un. Je crois que c'est assez Sur des subjectif. tests, ouais. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça, un être humain, que un test de 120 questions, ça va pas le déterminer du tout. Exactement. Et le truc, c'est quand je parlais de tests et d'y arriver au test, je pense que, par exemple, si tu es noir en France ou tu es arabe, Oui. il y a de fortes chances que tu vas même pas postuler au test d'entrée, par exemple, à Polytechnique ou à l'école nationale des administrateurs. Tout uniquement parce que, déjà, il y a de fortes chances que Tu connais pas les après données. ton baccalauréat, tu ne décides pas d'aller à l'université. Même si l'université Et est gratuite. gratuite, c'est juste que les conditions sociales, la manière dont les choses sont construites socialement, crée une différence dans l'accès qu'on a à certains postes ou à certains emplois. Peut-être vrai, mais moi j'ai des amis qui sont allés justement Kader Barrage, moi je peux mentionner qui est passé au programme et qui a fait l'école d'ingénieur et il a bien réussi. Non, c'est clair que je refuse pas que quelqu'un ne puisse pas y entrer. C'est clair. Il y a Il des peut fortes chances que rentrer. tout le monde peut entrer, mais c'est le privilège qui est accordé à certains et qui n'est pas accordé aux autres. C'est de ça que je parle. À la maison, tu veux dire, du point de vue de façon de vivre des enfants, etc. Non, de manière sociale dans la société. Oui. Dans la société. C'est clair que si vous avez vous venez d'une famille de souche française par rapport à un immigré, il y a de fortes chances que vous ayez accès à certaines choses. Oui. Je sais pas si tu as entendu la blague. Ils ont dit que la France est le seul pays arabe qui n'est pas en guerre. C'est-à-dire qu'en France, c'est l'Afrique du Nord. Plus ou moins. Je crois. C'est fini, ça. C'est des histoires d'avant que tu racontes. Non, je crois que. Quand, si tu vas à la gare du Nord, c'est pas la France, Je c'est crois que. l'Afrique. Je crois. Je crois. Je crois que. Je crois que la plupart des gens essayent de limiter la France à Paris. Mais Ah oui, là. on ne rencontre que les Arabes et les Africains autour de la région parisienne. Oui. Mais après, la France ne se limite pas à Paris. Mais après, qui vit dans les campagnes, qui vit dans d'autres régions françaises, ce sont les Français de souche. C'est possible. C'est comme tu dis, les Américains souches et les immigrés. Il y a les Américains qui sont nés ici et les Américains qui arrivent. Non, mais je pense qu'en France, il y a une forte culture de souche. Au sud seulement. Non, je crois même dans le nord. Je crois qu'il y a une forte culture que les gens. C'est différent des États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays d'immigrés, mais je crois qu'en France, il y a une forte culture. Et ils sont très fiers de la culture, parlent tout le temps de l'exception culturelle française. Et ils voudraient que tout le monde, qu'on soit immigré ou pas, qu'on vive en France, qu'on s'assimile à cette culture française. Donc il y a un projet clair et défini de ce que être français veut dire. Ah oui, Ce de qu'on. parler la langue, ça c'est numéro un. Et de plus ou moins laisser la France rester la France. J'adore la manière dont tu l'as dit. Laissez la France rester la France.
Oui, c'est-à-dire la France, c'est la France, et puis si c'est notre pays, c'est notre pays. Mais avec tous les immigrants, maintenant, moi, j'ai pas reconnu Paris. Je suis allée à la gare du Nord, j'ai dit, ça, c'est pas la gare du Nord d'il y a 30 ans, c'est l'Afrique du Nord. C'était une bonne chose ou pas? Mais je me sentais pas du tout en France. Parce que vous avez une idée claire de la France. Et c'est ça mon problème. Le problème, c'est que... Mais ça devrait te faire plaisir que c'est plus la France. Non, moi, ça ne me fait pas plaisir. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que si j'y vais et ça ne ressemble à ce que c'était, je C'est vais... qu'il y a eu des progrès, Non, peut-être? je vais plutôt célébrer cette diversité, le fait que la France s'ouvre à d'autres cultures. Oui. Parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas de problème à s'ouvrir à d'autres cultures. Ça ne peut qu'être une expérience enrichissante. Oui. Mais si on s'en plaint, ça veut dire qu'on a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on a une idée très claire et précise de ce que la France, Et la France devrait être. elle ne l'est plus. Et c'est ça mon problème. Mon problème, c'est de pouvoir défier cette construction sociale de ce que Ça devrait être. ça devait être. Oui, les gens se font une idée que s'ils vont à Paris, ils vont voir ci et ça. Et puis s'ils vont à Paris, ils vont voir l'Afrique, ils vont se dire, je me demande si je suis à Paris. Moi, je trouve pas de problème avec ça. Je trouve que c'est tellement enrichissant. On ne peut que s'enrichir au contact de l'autre. Et je crois que notre expérience aujourd'hui en est la preuve. J'apprends de vous, vous apprenez de moi. Et c'est comme ça que l'humanité avance. Oui, on ne peut pas arrêter l'humanité. De toute façon, dans 100 ans, mon professeur a prédit qu'il n'y aura plus de blanc et que le monde sera brun. Oh, ça je sais pas, je suis pas. C'est-à-dire qu'il y a une diminution claire et nette de certaines races parce qu'ils ne font pas autant d'enfants. C'est pas a wish, mais c'est un constat qui est sur papier, quoi. C'est des nombres. Et alors, le concept de race, c'est aussi une création sociale. De manière, je pense, à mon sens, je pense que de manière biologique, Oui. ou même caractérielle, Il y a des mélanges, oui. ou même caractérielle, qu'on ne puisse pas définir une race blanche, une race noire, une race jaune ou rouge. Je pense que c'est une création sociale, c'est uniquement pour pouvoir se différencier des autres, pour comme ça établir les inégalités et les différences sociales. J'ai jamais pensé qu'il y avait une race qui s'appelait une race noire et blanche. Parce que mais ces idées, ces concepts ont été imposés. Je sais pas, que ce soit un homme ou autre, il y a des couleurs. Et ça, c'est comme ça qu'ils ont décidé de dire combien il y a de blancs, combien il y a de jaunes, les Asiatiques, combien il y a de noirs et combien Et de là, c'est le marrons. problème. Et là, c'est le problème. Le simple fait de décider, c'est un acte de pouvoir. Non, ils n'ont pas décidé, ils ont dit on va les compter. OK. Non. Le simple fait de les classifier ou de les compter, c'est un acte de pouvoir. Et c'est un acte de pouvoir qui crée des inégalités sociales, qui crée une différence sociale. Parce que le simple fait De devoir les compter. de devoir les compter, c'est un acte de pouvoir. Et où est le pouvoir? On fait un constat, on constate qu'il y a tant de blancs, qu'il y a tant de Chinois, qu'il y a tant d'hindous, qu'il y a tant de Nord-Africains, qu'il y a tant de Donc quelle que soit la race, d'Indiens, voilà. ce n'était pas aussi un acte aussi bénin que ça. C'est vrai, sûrement, ils ont classifié et catégorisé les races, mais ils ont aussi hiérarchisé. Ils ont décidé, ok, la race blanche est la race qui est... Meilleur. Non. Qui, comme ça, représente l'avancement de l'humanité. Je ne veux pas Mais dire ça, meilleur. c'est dans les années 40. C'est fini, ça. Oh, c'est fini ça? Oui, c'était en 1940 quand ils disaient les Blancs, c'est une race supérieure. Mais en 2013, je crois qu'on a passé ce stade. Tu penses vraiment?
je vois pas d'inégalité de par exemple à l'université, on accepte les gens pas d'après leur couleur, mais d'après ce qu'ils ont mis sur leur test ou... Je pense pas. Le simple fait que ici aux États-Unis, il y a un quota pour certaines races Oui. prouve que actuellement prouve mon point. De les accepter, tu veux dire, dans le pays? Non, le fait qu'il y a un quota qui dit, par exemple, pour avoir certains postes, pour avoir accès à certaines universités, ici aux États-Unis, si tu es noir, il y a un quota pour toutes les races, pour certaines races. Parce qu'on est, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de pouvoir créer un environnement qui soit inclusif de toutes les Donc races. ils Donc, acceptent plus de certaines races, oui. fixe un quota pour certaines races. Qu'ils passent ou pas ces tests, on va pouvoir les faire rentrer parce qu'on a besoin. De ce genre de On a, personnes. on, non, pas qu'on a besoin de ce genre de personnes-là, on a besoin de cette race Dans la dans classe. la classe. Uniquement Pour montrer pour montrer on les qu'on a est inclusif de acceptés, toutes les races. oui. Et ça prouve qu'il y a un problème de race. Parce que si on vit dans une société égalitaire, Oui. on n'a pas besoin de d'avoir un Un quota quota. pour les minorités. Le quota a été établi, justement établi pour reverser cette inégalité, pour les accepter. Problème avec le quota, c'est qu'il crée, comme ça, il stigmatise ces races. Imaginez que vous soyez, par exemple, indien. Ouais. Et que, Il n'y a pas d'Indien dans la classe. et que vous excellez en classe. Que vous excellez en classe. Il y a de fortes chances que vous soyez accusé d'avoir de bonnes notes uniquement parce que vous êtes indien et qu'on a besoin de De vous pousser, garder dans la classe? de pousser les Indiens. La On même peut chose. vous accuser, mais c'est pas vrai. On peut vous accuser, mais c'est pas vrai. Le C'est-à-dire, pas. c'est comme quand vous dites à Berkeley, les Asiatiques qui performent beaucoup mieux dans les technologies. Ok, c'est pas parce qu'on les a poussés, c'est parce que c'est un fait. Le pas entre cette perception et comme ça une discrimination est très vite franchie. Imaginez un seul instant que maintenant cet Indien décide de trouver un emploi et postule. Il y a de fortes, il y a une possibilité que malgré qu'il y a de très bonnes notes, que le recruteur regarde son profil et dise, il a des très bonnes notes, mais je pense que sûrement parce que c'est un Indien, on lui a refilé ses bonnes notes et qu'il ne le prenne pas au sérieux. Ah, tu vois, oui, ça c'est le reverse discrimination, je vois. Non, mais je crois pas. Je pense que le recruteur devrait être un peu plus intelligent que ça, j'espère. Mais ce sont des choses qui se passent tous les jours et ce sont ces questions de différence et d'inégalité dont je parlais tantôt. Ces choses sont tellement subtiles. Avant, c'était des choses qui étaient très visibles, mais maintenant, elles sont subtiles. Et tu vas pas me dire que tu vas accorder la confiance absolue au recruteur et te dire qu'il va être objectif. Parce que le recruteur, c'est pas une machine, c'est un être humain qui est soumis à certaines influences et certains concepts influencent la manière dont il pense et il y a de fortes chances qu'il perde son objectivité. Ça, c'est vrai, parce que souvent les recruteurs, par exemple, il vient d'une famille russe, il va engager un peu plus de russes. S'il vient d'une famille française, il va engager un petit peu plus de français, parce qu'il y a toujours ce côté affectif vers sa propre nation. Appartenance. Voilà. Donc, si tu es un recruteur, tu vas peut-être engager quelqu'un qui est du Cameroun, parce que tu aimes bien cette personne. Donc ça, c'est plutôt affectif, c'est plutôt que de performance ou quoi que ce soit. Et C'est-à-dire, c'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle et je crois que ça, c'est de ça que USF s'est donné comme mission, de pouvoir changer le monde en changeant les attitudes. On va pas. La seule manière de pouvoir améliorer les choses, c'est de pouvoir juger les gens tels qu'ils sont,
de ne pas laisser ces constructions. Parce que le simple fait de parler de France ou de Cameroun, ce sont totalement des constructions sociales et politiques. Il n'y a pas une France qui existe de manière immanente. Ce sont les hommes qui ont créé la France. Oui. La même chose pour le Cameroun, la même chose pour les États-Unis. Vous Donc, suivez le curriculum français au Cameroun, non? d'une Donc, manière ou d'une autre. voilà, donc vous êtes français de culture un peu. Ça, je vais le dire. Beaucoup. Vous pensez? Non, mais c'est-à-dire, d'après ma conversation avec toi, je ne sais pas ce que tu as étudié à l'école, mais d'après ma conversation avec toi, je pense que tu as suivi le curriculum français. Manière ou d'une autre. Voilà. Donc toi aussi, tu as été formé comme les Français d'une manière indirecte. Oh, ça c'est pour des raisons politiques, c'est uniquement parce que C'est le système de l'école. non, c'est l'un des héritages de la colonisation française en Afrique. Donc tu admets que tu es aussi le produit De la de France. la France, Oh yes. sans Que je le mais veuille ou pas. voilà, c'est ça. Tu parles le français et tu as les expressions françaises, Non, je etc. suis sûr que j'ai peut-être une manière de penser qui est Un peu plus ou moins française, analytiquement française. que je le veuille ou pas. Voilà, c'est ça. Donc tu analyses un peu les choses comme les Français, etc. Donc c'est très intéressant. J'espère que tu trouveras le job qui va être parfait pour toi après ça. Oh, merci déjà. Je ne sais pas si ce sera aux Nations Unies, aux États-Unis, ou au Cameroun, ou en France. Mais quel que soit l'endroit, tu iras, c'est ça? Oh, c'est sûr. Et puis, je pense que j'ai ma mission, elle est noble, et que c'est pas la location ou le profit financier qui va déterminer ce que je veux faire. Je veux vraiment m'appliquer à pouvoir transformer les gens, pouvoir apporter une sorte de lumière dans la vie. Je crois que c'est un peu prétentieux. Je Oui, trouvais le non, mais tu j'essayais pourras de faire trouver du le bon mot. consulting pour les recruteurs, tu pourras faire du consulting pour les universités, comment ils recrutent, tu pourras faire du consulting d'après ce que tu as parlé, hein. De la façon dont les gens perçoivent les autres, d'après donc sa vie, ça c'est du recrutement aussi un petit peu. Je pense que tu seras peut-être dans ce domaine-là. Si c'est, et puis dans l'éducation. Je te remercie, étant donné qu'on a passé 5 heures de l'après-midi, je suis obligée de finir cette interview. Je te remercie d'être venue et puis j'espère que tout se passera bien pour ta thèse. Je sais Oh, pas. merci. Sur la thèse, c'est sur le pouvoir, n'est-ce pas? Exactement. Tout, rappelle-toi, au cœur de toute relation sociale, c'est le pouvoir. D'accord. C'est tout mon plaisir d'y être aujourd'hui dans ce studio. J'ai été honoré d'être invité. D'accord. Tu passeras sur French American TV, sur la chaîne 29 et puis sur l'Internet sûrement. Oh, Merci super. beaucoup. Oh, merci. J'espère que vous avez apprécié. Oui, c'était très intéressant. Je suis sûre que tout le monde va trouver qu'il y a quelque chose de très nouveau que tu as à dire. Donc c'est très intéressant. Merci beaucoup.